se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est avec la boutique Diamond Argif, donc un unboxing spécial Diamond Painting. Excusez-moi. Alors, là, ça a mis un peu de temps pour arriver. J'avais choisi les articles le 15 août, ça avait été confirmé le 16 août. Et je les ai reçus cette semaine, le 20 ou le 21. Donc, ça a mis un peu de temps. Bon, on sait qu'il y a eu les vacances entre deux. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça. On ne sait pas. Donc, j'ai choisi deux DP. Un DP 40-40 avec des perles AB, 40 couleurs, que du 40. Et un deuxième... celui-là, c'est un, quelle taille, un 30-30 avec 24 couleurs. Allez, je vous montre le grand d'abord et je vous mets face bureau. Alors, on commence par le plus grand, donc un 40-40 et ce sont des perles AB qu'il y a dedans. Alors, moi, ces kits, ces nouveaux kits, je leur trouve un défaut. Vous savez que je suis toujours franche, hein, donc je le dis. Je leur trouve un défaut. Les toiles sont beaucoup, beaucoup trop fines. La preuve, regardez comment ça se chiffonne. Je ne sais pas pourquoi ils font ces toiles aussi fines. Mais là, voilà, c'est le défaut que je leur trouve. Et voilà, elles sont vraiment beaucoup trop fines. Bon, c'est mon avis à moi, je ne sais pas vous. Dites-le-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez acheté ces toiles. Mais c'est le défaut que je leur trouve. Voilà. Alors, on va avoir un petit toolkit, voilà, assez complet. Il y a des multiplaceurs dedans. Il y a la petite mousse pour les doigts, voilà, là, un placeur. Un grand carré de glu. Le petit plateau avec le bec verseur et la petite pince, mais celle-là, je ne vous la recommande pas. Elle est pas top. Alors, les perles ont été mises dans des sachets zippés. Alors, par contre, là, les sachets sont très grands pour les perles. Hop! Allez, je vous montre les couleurs du jaune. Ah ben, on commence déjà par des AB. Donc, AB, c'est marqué, hein, voyez, AB. Et ça, c'est le nombre de perles dont vous avez besoin pour faire le kit. Et ça, bien sûr, c'est le numéro de la couleur. Alors, on a un très, très gros... Alors, lui, j'arrive même pas... ah, bah alors, il a été mis sous vide ou quoi celui-là? Ouais, bon, je vais pas l'ouvrir. Un énorme sachet de noir. Ah, ça y est, il se détend. Voilà. Alors, en noir, vous avez besoin, hop, allez, arrête de zoom, de fouetter, de 10 494 perles. La vie en noir. Allez, encore des AB. Ah, mais c'est des AB. Je n'avais pas fait attention. Là, ce sont des normales. Là aussi. Là, on a un petit peu de AB. Encore. Il y a beaucoup de AB dans celui-là. Ah, il y a les petites perles qui se sont perdues, mais c'est pas grave.
PAB. Bon, il y a beaucoup de couleurs, hein, vous voyez. Ça ne zoome pas. Ah, je vous dis, mon téléphone commence à être fatigué. Mais bon, j'ai pas encore. Vous savez que les téléphones, souvent avec les forfaits, on les paye chaque mois, on les paye un petit peu à la fois. Mais j'ai pas fini de payer celui-là, donc je vais pas m'en racheter un maintenant. On va attendre d'avoir fini de payer. Ça va, on paye 8 euros par mois, donc c'est pas énorme. Mais bon, on va attendre un petit peu. Donc, il ne faut pas qu'il lâche. Ah! Encore des AB bleus. On démarrons. Vous voyez, il y a beaucoup de AB, hein. J'aurais peut-être dû enlever le flash, non? Ah, bah oui! Alors, Didith, pourquoi t'as pas enlevé le flash avant? Je te jure, hein. Ah, on ne peut pas compter sur Didith, hein. Bah voilà, ça va beaucoup mieux. Bon, je vais pas vous refaire du début, hein. Mais voilà. On arrive au bout. On arrive au bout. Et le dernier en AB. Voilà. Hop. Bon, je sais, je fais du bruit. C'est embêtant pour les oreilles. Mais au moins, c'est déjà rangé. Une petite perle qui se perd. Allez, mettez-vous là. Hop. Et tout ça pour... Oh là. Alors, dans quel sens il est? Non. Alors, on va bien remettre le plastique. Voilà, on va bien le remettre de l'autre côté. Ouais, elles sont vraiment trop fines, ces toiles. Voilà. Alors, dans quel sens? Dans ce sens-là. Hein? D'accord avec moi? Ouais. Alors, je vous montre l'image. Voilà ce que ça représente. C'est un phénix. Alors, attendez. Voilà. Ah, oh, ça m'énerve quand ça... Il veut pas faire le point. Fais le focus. Voilà. Je sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Bon, on voit sa tête. D'accord. Ouais, on voit les ailes. Bon, je crois pas. Je ne crois pas du tout. En plus, il y a énormément de... Alors, tout le noir au fond.
Le noir rentre aussi sur l'oiseau. Non, j'y crois pas, celui-là. Celui-là, franchement, j'y crois pas. Non. Je sais pas vous. Pourtant, bon, comme ça, on voit la forme, hein. Mais bon, peut-être qu'une fois que les perles sont dessus, ce sera bien. Mais là, non, je n'y crois pas. Je crois pas que le dessin va ressortir comme sur l'image. Je me trompe peut-être. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de noir. Et du coup, on va avoir bon, une tache couleur là, une là, une là, une là. Mais je sais pas. Là, non. Je crois pas que ça va ressortir comme la photo, comme l'image. Dommage. Mais comme ça, quand on regarde, donc à la caméra, je vois l'image qui ressort. Mais quand on le regarde hors de la caméra, je vois des taches. Voilà, je vois des taches de couleur. Ouais, bon. Je sais pas. Bon, là, c'est sûr que Chouchou ne le fera, ne va pas le faire. Parce qu'il va pas aimer. Il a aimé l'image, mais là, le DP, il va pas l'aimer du tout. Ça, je le sais. C'est dommage. Alors, par contre, là, alors je vous avais dit dans une précédente vidéo que je mettais les prix en euros. Je vais vous les mettre à l'écran, oui, à l'écran, là, parce que sur mon carnet, ben, comme c'était il y a plus d'un mois, je n'avais pas encore noté les prix en euros. Donc, ce DP, lui, fait 9,99 $. Voilà, donc normalement, je vous aurais mis le prix en euros également à l'écran. Bon, bah celui-là, voilà. Pas top, top, top. Dommage. Deuxième DP. Donc, c'est pas la même taille, vous voyez. C'est un 30-30. Alors, on va avoir le petit toolkit comme d'habitude. Et on va avoir donc des perles rondes en sachet zippé. En sachet chapelet, pardon. Désolé pour le bruit. Je vous montre. Alors, on a 24 couleurs. Je vous montre les couleurs. Voilà. Alors, on va avoir beaucoup de noir aussi. Et là, c'est le 939, je pense. Il n'est pas marqué, mais je pense. Là. Voilà. Donc, c'est un kit qui va avoir un grand fond bien noir. Hop. Je remets tout de suite, comme ça, c'est fait. Oui, je sais, je fais du bruit. Voilà. Et donc, petit kit. Hop, j'ai oublié de dézoomer. Alors, c'est le soleil contre la lune. Donc, vous avez vu, là, tout le fond est là au milieu, ce sera noir. Donc, c'est un 30 sur 30 cm. Et je pense que, du coup, ça doit faire de genre 25. Ouais, 25 sur 25. Donc, le dessin,
Le voici. Mais je vous remets l'image, hein, ce sera beaucoup mieux. Bon. Il est pas mal. Faut voir avec les perles hein, aussi, une fois posé. Mais là, c'est vrai qu'il y a énormément de noir. Donc, normalement, les couleurs devraient ressortir un peu. Alors, niveau impression, c'est très, très bien. Hop. Niveau colle, ça colle très, très bien également. Voilà. Alors, celui-ci est à 4,99 $. Voilà. Donc, un petit prix pour un... Bon, il faut aimer avoir des grands fonds en noir. Mais sinon, celui-là, je pense qu'il sera, il sera joli. Voilà. Moi, un grand fond en noir comme ça, c'est non pour moi. Hein. Oh, Chouchou va s'amuser. C'est pas grave. C'est lui qui l'a choisi. Donc, il se débrouille. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif pour me laisser choisir des kits chez eux. Bon, un peu déçu par le premier kit, par celui-là. Là, je sais que Chouchou ne le fera pas, moi non plus, de toute façon. Mais un peu déçu, c'est dommage. On peut pas avoir toujours non plus des choses qui nous plaisent une fois qu'on les reçoit ou voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.